Comment déguster un vin? Eh bien, tout d'abord, on va faire le choix de ce verre. Donc celui-ci, c'est le verre INAO de l'Institut National des Appellations d'Origine. On va le prendre par le pied ou la jambe et certainement pas par la base pour éviter de chauffer le vin. Donc pour aujourd'hui, on va le prendre par le pied. Je vais avoir trois phasages de dégustation. Le premier qui est le visuel, la deuxième partie donc, qui est l'aspect olfactif et l'aspect gustatif. L'aspect visuel va me déterminer donc, différents critères sur le vin. Ensuite, je vais être en olfactif. Premier nez, sans bouger le vin. Deuxième nez, je vais remuer légèrement le vin et je vais sentir. Et troisième nez, je vais remuer en m'arrêtant brusquement pour dévoiler donc les arômes. Attention à une chose, vous allez avoir une narine qui détecte mieux les arômes que l'autre. Donc je vous conseille d'inspirer et vous allez pouvoir expirer. Inspirer. Expirer. Donc vous allez détecter une narine qui est plus détectrice donc de l'ensemble des arômes. Et ensuite, je vais mettre en la phase gustative. Et là, je vais mâcher mon vin. Et ensuite, je vais passer la langue sur les gencives supérieures qui va me détecter donc l'aspect plutôt acide. La langue détecte donc toute la partie aromatique, l'aspect acide, salé et sucré. Mesdames, Messieurs, bonne dégustation et je vous dis à très bientôt sur le site efournis.com.